L'heure est à la chasse aux œufs contaminés, notamment sur les produits de la marque Kinder. Et la surprise est une suspicion de salmonelle présente dans les chocolats. De quoi inquiéter les consommateurs. Je vois que là, à ce moment, ils n'ont pas mis, donc c'est bon. Non, pas en ce moment. C'est... Faut pas en manger en ce moment. Vous avez déjà acheté les chocolats Kinder? Non, on n'en achètera pas. Et certains n'hésitent pas à avoir des alternatives au chocolat. Bah, faut prendre des bonbons, c'est mieux. Pour la chasse aux œufs, on va l'improviser, les œufs. Depuis mardi, les produits ont été rappelés par la Direction Générale de Santé. Au total, des millions d'œufs en chocolat ont été retirés des rayons de supermarché. Il est demandé à toutes les personnes ayant acheté ces produits de les jeter. Mais pour Jean-Marie Potin de l'UFC Que Choisir, dans ce cas de figure, c'est le remboursement qui est nécessaire. On commence à voir des consommateurs qui nous appellent pour demander est-ce que la dangerosité, qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement, je répète, il ne faut pas les jeter comme c'est dit dans les reportages. Il faut les ramener et se faire rembourser dans le magasin. C'est aussi les conséquences de la reprise par rapport au Covid, sachant très bien pendant un certain temps, donc il n'y a pas eu de fabrication. Et on a démarré ça, il fallait le faire en vitesse puisqu'il n'y avait pas que derrière. À La Réunion, 70% des lots ont été retirés des rayons et détruits.